Le drapeau en berne, symbole d'un conflit qui s'enlise. Voilà deux jours que les gardiens de la maison d'arrêt de Besançon ont déposé les clés. Ce matin à 10h, les CRS sont intervenus pour libérer l'entrée de l'établissement. Après plus d'une semaine de grève, les surveillants continuent de scander leurs revendications. Depuis ce matin, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a plus aucun dialogue avec à tous les étages de l'administration, à savoir au niveau du ministère, au niveau des directions interrégionales. Et ça ne peut plus durer. C'est la ministre aujourd'hui qui doit nous donner des réponses concrètes, parce que sinon les établissements vont exploser. Au 10e jour de mobilisation, le personnel pénitentiaire l'assure, le mouvement de protestation ne faiblira pas. En France, près d'une quinzaine d'établissements sont concernés par ce dépôt de clés.